Grand est notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de suivre ce journal. Au sommaire, situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les États-Unis d'Amérique donnent sa position et appellent au retrait de l'armée rwandaise du sol congolais. Et puis cette bonne nouvelle, Kinshasa a désormais un centre de diagnostic des maladies rares aux cliniques universitaires. L'inauguration a eu lieu hier vendredi 23 février. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de l'État a présidé hier vendredi la réunion du Conseil des ministres, réunion tenue après que les présidents de la République aient fixé l'opinion nationale sur le fonctionnement du gouvernement dont les membres sont appelés à expédier les affaires courantes de l'État. Reportage Pierre Kibambesso-Moïsa. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres a été respecté ce vendredi 23 février à la Cité de l'Union africaine. Présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la 126e session ordinaire a toute sa particularité, intervenant après la démission le 20 février dernier du Premier ministre et de son gouvernement, démission dont le président de la République a pris acte en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et aux membres de son gouvernement chacun, à regard de ses fonctions, d'assurer l'expédition des affaires courantes et ce, conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques des collaborations entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et les membres du gouvernement présents à Kinshasa ont ainsi pris part à la réunion du Conseil des ministres, dont le compte rendu est, comme à l'accoutumée, présenté par le ministre de la Communication et Média, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Pour le président de la République, qui soutient la bonne marche des institutions, les saluts du peuple et la loi suprême. Un seul point était donc à l'ordre du jour de la réunion des conseils des ministres. Le chef de l'État a fait la restitution de sa participation au 37e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba. On écoute un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur un point. Essentiellement, la restitution de sa participation les 17 et 18 février 2024 à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Cette session avait pour thème l'éducation en Afrique au 21e siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique. Le président de la République a indiqué que l'éducation, puisqu'il en était question, représente une priorité pour laquelle de nombreuses avancées ont pu être enregistrées dans notre pays. Parmi celles-ci, il a évoqué notamment le programme de la gratuité de l'enseignement de base mis en œuvre au cours de la précédente législature, programme à étendre à l'enseignement secondaire, mais également à en renforcer les conditions de possibilité. Forte de cette politique, la délégation qui l'a conduite a été, au cours de cette session, confortée dans la vision de notre pays, celle faisant de l'éducation un des piliers fondamentaux de notre action, et pour laquelle une série d'autres actions, tout comme des réformes, sont encore attendues au cours de ce quinquennat. Réagissant au rapport concernant les activités du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, le président de la République a rappelé le rôle trouble joué par le Rwanda dans la déstabilisation de notre pays, remarqué à travers les déploiements de l'armée rwandaise sur les territoires congolais en appui au mouvement terroriste M23. Revenons encore sur le briefing spécial avec le président de la République. Dans ce face-à-face avec la presse, Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec rwandaise. Je vous propose donc de suivre un extrait choisi par la rédaction. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici,
qui me disaient, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2000 hommes qui ne menace même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours, on vilipende les Tutsis, etc. Je dis, mais ça, c'est inhérent à tout pays. Hein. Notre pays, c'est 450 tribus. Ce n'est pas qu'avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Luba du Kassai au Katanga. Ce n'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations lubaphones, se lève un matin pour dire, ça y est, moi je vais au Katanga pour défendre les Luba du Kassai qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire, voilà, on va défendre les Teke, Akwamout, etc. Donc, c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier, en tout cas, président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqué. Et il envoie ces gens traqués, violentés, massacrés des Tutsis pour dire, ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger. Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Autre chose, nous avons dit haut et fort, et d'ailleurs depuis lors, on a arrêté même un officier, que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR. Et que tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfaits sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines, que je suis à l'aise et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut qu'on se défende. Nous connaissons les intentions aujourd'hui de certains de nos ennemis. Nous n'allons pas les laisser faire. Et je crois qu'ils ont commencé même à sentir que le Congo qui se défend aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc déjà, quand vous partez de ce principe, vous comprenez que dans l'œuvre humaine qui a été le mandat de 5 ans que les Congolais m'avaient donné, il y a eu des imperfections. L'administration, vous savez que ça, c'est un très très gros problème pour la République démocratique du Congo. Et même pour tout pays qui ambitionne d'être bien gouverné, il faut que son administration soit solide. Et là, nous avons eu un extraordinaire ministre de la fonction publique qui nous travaille dessus, Jean-Pierre Liaou, qui a fait un travail remarquable et qui, j'espère en tout cas, pourra continuer ce qu'il a commencé de si fort belle manière. Et nous l'avons annoncé au sommaire, les États-Unis d'Amérique condamnent l'escalade militaire du M23 et son soutien rwandais. Les USA appellent au retrait de l'armée rwandaise du sol congolais, affirmation de son ambassadeur accrédité à Kinshasa. Les États-Unis expriment leur soutien à l'intégrité du territoire congolais. C'est ce
qu'a déclaré ce vendredi 22 février à Goma l'ambassadeur américain en poste en RDC, Lissi Tamlin, qui a rappelé la déclaration de Washington appelant le Rwanda à cesser leur soutien au M23. Les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable et pacifique. Et samedi dernier, nous avons fait une déclaration pour évoquer la croissance de la violence qui est causée par le groupe armé qui est soutenu par le Rwanda. Nous avons réitéré notre appel au M23 de déposer les armes et reculer de ses positions autour de la ville de Goma et de Sake. Et nous avons aussi appelé à Rwanda de réitérer ses forces du sol congolais. Nous avons aussi appelé à Rwanda de réitérer les missiles aériens qui sont une menace pour soit les forces de maintien de la paix de l'ONU, soit les forces de maintien de la paix régionale. L'ambassadeur américain a également démenti les allégations du soutien éventuel du pays de l'oncle Sam à Kigali. Lissi Tamlin a encouragé les efforts diplomatiques en cours pour mettre un terme à la crise. Nous avons aussi arrêté l'assistance militaire au Rwanda. Parfois, ça, c'est un sujet de fake news, mais les États-Unis ne soutiennent pas l'armée rwandaise. Nous ne fournissons pas d'armes, nous ne fournissons pas d'équipement. Donc, c'est notre politique. Et je peux vous rassurer que ça va continuer. Aussi, au niveau international, il y a des mesures que nous prenons. Je ne peux pas discuter toutes les activités diplomatiques, mais parfois, il ne s'agit pas juste d'un pays, mais on essaie de travailler ensemble avec les autres pays pour faire les choses ensemble. L'ambassadrice des États-Unis a, avant son point de presse, participé à une conférence de paix sur comment renforcer l'implication et la participation des communautés affectées par les conflits dans les efforts de paix. La paix doit être la préoccupation de la population de l'Ituri. C'est en ce terme que le député national Maté Sosavo s'est exprimé hier vendredi devant la presse après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri faisant le point sur la situation sécuritaire en territoire de Djougou après le massacre de 16 civils le 16 février dernier. Junior Selemani pour le reportage. Comme tout bon père, le gouverneur de province, le lieutenant général Lubuyanka Chuma Djuni, poursuit sa mission d'assistance multiforme en tout temps et tout lié aux personnes vulnérables et en détresse. Le cap est mis sur le site de déplacés de Djangi, au groupement Boukou, chefferie de Bahama Nord, en territoire de Djougou. Ces dons constituent de ou considérés comme un besoin primaire pour la population de ces coins, qui est majoritairement champêtre. C'est au nom de l'autorité provinciale que le colonel Bozibo Foster, directeur des opérations à la 32e région militaire, a remis solennellement ses instruments aratoires au président du site. Le chef de l'État a tendu la main à ces jeunes qui avaient émis les armes illégalement. Le gouverneur militaire a mis en application cette demande-là de déposer les armes et faire la paix dans la population de l'Ituri. Et donc, il faudrait que les gens soient dans la paix pour qu'ils aient le développement de l'Ituri. Cet acte de générosité et de solidarité a pris la lire d'une bouffée d'oxygène et d'un réconfort moral pour se déplacer interne. Je remercie au nom de la communauté grandement notre gouverneur militaire, Lubuyanka Chuma, en nous faisant ces petits gestes, presque toute la communauté va au champ. C'est notre besoin réel qu'il a choisi. Merci. Mambo à Djembe. J'ai dit merci pour la eau car nous qui vivons à Djangi, cela va nous permettre à cultiver les champs parce qu'avant je n'avais pas les moyens de m'en offrir.
toutes les femmes de la RDC en général et en particulier celles du Haut-Katanga doivent être solidaires avec les femmes victimes de la guerre d'agression qui secoue la partie Est. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangou Bibimuloko, l'a dit au sortir de l'audience lui accordée par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe. Reportage Didier Mbumba. Tous les Congolais doivent se ranger derrière le président de la République et commandant suprême des forces armées pour faire face à l'agression rwandaise sous couvert du M23 dans la partie orientale de notre pays. Cette guerre injuste cause d'énormes souffrances sous nos concitoyens vivant notamment dans la province du Nord Kivu. C'est donc pour une action de solidarité avec ses compatriotes en détresse que le gouverneur Jacques Kiabula-Katwe a reçu la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibimuloko, appelle les Haut-Katangais à poser chacun un acte solidaire en faveur des frères et sœurs de l'Est du pays. Pour le 8 mars, nous avons recommandé à toutes les femmes à travers la République démocratique du Congo d'être en noir, en solidarité avec nos sœurs, nos papas, nos frères qui sont tués à l'Est. Et il y a des cotisations au niveau national. Et le ministère est représenté par des ministres provinciaux et les chefs de division. À leur tour, ils n'ont qu'à organiser pour faire des cotisations et aller déposer auprès de la population de Goma. Et nous soutenons les chefs de l'État comme d'habitude pour que la guerre cesse en République démocratique du Congo. La ministre nationale du Genre encourage le Haut-Katanga à défendre l'intégrité de notre territoire national sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour mettre fin à l'aventure belliqueuse du Rwanda contre le Congo démocratique. L'UDPS Tshisekedi n'a pas caché ses ambitions de participer à la gestion des institutions de la République dans l'objectif de permettre au chef de l'État de ramener la paix au pays et améliorer le bien-être des Congolais. Ce sont là les propos du chef de la délégation de ce parti présidentiel au sortir de leur consultation avec l'informateur Augustin Kabouya. Reportage Alain Bikaï. C'est au sixième jour des consultations que la forte délégation du parti présidentiel, conduite par son secrétaire général adjoint Deo Bizibou, a été reçue par l'informateur honorable Augustin Kabouya. Sans surprise, la première force politique du pays a attesté son appartenance à la majorité présidentielle. Avec 70 députés nationaux et 137 provinciaux, l'Union pour la démocratie et le progrès social compte accompagner le chef de l'État dans sa lourde mission de ramener la paix dans l'Est du pays et développer la RDC. Pour ce faire, le parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut apporter son expertise dans les institutions du pays. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la condition du pays et des lois du pays. Ça veut dire que la condition prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas ? Or, nous sommes, nous, l'UDP Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'UDP, soit aussi président de l'Assemblée nationale. Ensuite, c'était le tour du regroupement Action pour l'unité nationale d'échanger avec l'honorable Augustin Kabouya. À l'occasion, l'émissaire de Félix Antoine Tshisekedi a prêché l'amour et l'unité à ses hôtes envie de resserrer leur rang. Comme ses prédécesseurs, l'Action pour l'unité nationale a formalisé son appartenance à la grande coalition majoritaire. Remerciement au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix de l'informateur, un monsieur sage, un monsieur plein d'intelligence. Il nous a prodigué des sages conseils. Notre regroupement est un indivisible. Et il restera ainsi. Pour accompagner le chef de l'État par rapport à son deuxième quinquennat, il aura peut-être les réformes à initier que ça ne puisse pas bloquer au niveau de l'Assemblée nationale. Tout est bien qui finit bien. L'informateur a bouclé ses audiences avec les partis et regroupements ayant des députés à l'Assemblée nationale. Les stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, dans le cadre de travaux pratiques, ont visité hier les installations de la radio-télévision nationale congolaise, visite guidée par le directeur de programme intérimaire.
La quatrième promotion de l'école de guerre de Kinshasa a accueilli cette année des stagiaires de plusieurs pays, tant d'Afrique que d'Europe. Ils sont originaires du Congo-Brazzaville, de Centrafrique, du Gabon, du Cameroun, du Bénin, du Togo, de la Belgique et de France. Parmi eux, 13 officiers congolais. C'est dans le cadre de la pratique professionnelle que ces stagiaires ont visité les installations de la RTNC, notamment studio, radio, télé, ainsi que la salle de la rédaction du journal télévisé de la RTNC. Sans omettre les différents quarts de reportage et chariots automobiles. Question du nouveau, la théorie à la pratique. Nous avons compris comment est-ce que les émissions sont produites, comment ils sont transférés et comment ils sont diffusés. On avait estimé avec l'encadrement de l'école, avec l'autorité de l'école, qu'il fallait qu'ils puissent fournir par peu du doigt les réalités de la télévision et de la radio qui font partie des outils qu'ils utilisent, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. À cet effet, le commandant second de l'école de guerre de Kinshasa, le général de brigade Pierre Macheki Kayembe, qui a conduit la délégation, s'y construit le cadre de cette visite. Nous sommes ici à la RTNC. C'est juste pour concilier les notions pratiques théoriques que nous avons, que nos stagiaires ont souvent à l'école, à la pratique, au palper du doigt, la réalité de ce qu'ils ont appris là-bas. Préparer les officiers supérieurs à exercer des fonctions d'état-major du niveau opératif, c'est la mission de l'école de guerre de Kinshasa. Les cliniques universitaires de Kinshasa ont désormais un centre pour le diagnostic des maladies rares en RDC. Son inauguration a eu lieu hier, juste après la clôture de l'atelier des formations à l'intention des médecins venus de 26 provinces de la RDC. Objectif, le renforcement de leurs capacités en matière de dépistage des dites maladies. Reportage Patti Tondwango, Patricia Ongu et Papi Mbongo. Atteintes des maladies dites rares, nombreuses sont des personnes qui meurent en République démocratique du Congo sans pour autant que les causes de leur maladie soient élucidées. Des vies qui pourtant pouvaient être sauvées si les diagnostics étaient posés à temps. À travers le monde, 3,6 à 6 % des personnes sont atteintes de ces pathologies et en République démocratique du Congo, les statistiques ne sont pas connues. Raison pour laquelle un centre de référence des maladies rares et non diagnostiquées a été inauguré aux cliniques universitaires de Kinshasa. Nous ne connaissons pas non plus de quelles causes nos enfants meurent souvent. Et lorsqu'on ne connaît pas, on a tendance facilement à se tourner vers des explications faciles. La sorcellerie, l'envoûtement, la magie, alors que c'est la médecine que nous pratiquons aujourd'hui qui n'a pas intégré une partie des pathologies que l'on retrouve chez des patients. Et donc le centre des maladies rares voudrait donner l'opportunité aux patients congolais et aux familles atteintes par une maladie rare d'avoir accès au diagnostic et donc d'entrer sur l'itinéraire de prise en charge appropriée en fonction de leur diagnostic. En prélude de la 17e édition de la Journée mondiale des maladies rares, célébrée chaque dernier jour du mois de février, les cliniques universitaires de Kinshasa ont organisé un atelier de formation du réseau des maladies rares. C'était à l'intention des médecins des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Objectif, former les délégués de ces différentes provinces, surtout de celles déjà opérationnelles en République démocratique du Congo, pour mieux faire fonctionner leur centre. Une journée riche en témoignages, à en croire les professeurs en génétique Aimé Lumaka. Nous avons diagnostiqué dans la famille une maladie mitochondriale primaire. C'est une maladie qui, dans le monde entier, touche à peu près 20 familles seulement connues à ce jour. Nous avons également parmi nous aujourd'hui deux familles dont les enfants ont ce qu'on appelle un syndrome de Noonan. Et le syndrome de Noonan, c'est un trouble développemental auquel peut s'associer une cardiopathie congénitale, un déficit d'apprentissage et d'autres déficits au niveau de la motricité lorsque les enfants sont encore très jeunes. La journée internationale des maladies rares est une occasion de sensibiliser les grands publics, mais surtout les décideurs, en vue de la mobilisation de plus d'une personne sur ces problèmes de santé publique.
La CADECO, Caisse d'épargne du Congo, a lancé une carte numérique pour ses abonnés. La directrice générale Juliette Mbambou a présenté les avantages de cet outil d'une large facilité pour, entre autres, les fonctionnaires de l'État. Commentaire Edith Chala. La numérisation a gagné la Caisse d'épargne du Congo, CADECO, une solution pour les gagne-petits, que ce soit dans les grandes villes ou dans le Congo profond. Surtout, la sécurisation de la paye des fonctionnaires de l'État. Jeudi à Kinshasa, la carte numérique de la CADECO a été présentée par Juliette Mbambou Mugolé, directrice générale de cette Banque nationale d'épargne qui est en train de renaître de ses cendres. Nous venons de lancer un go-ahead de la CADECO nouvelle, de la Banque nationale qui nous reste, l'unique à 100% des parts congolais. C'est une carte qui va servir tous les Congolais à tous les niveaux. Les Congolais ont besoin aussi, les mamans maraîchères. Et tout le monde a besoin d'utiliser la carte, la nouvelle carte du Congo. Même les anciens, où qu'ils se trouvent, les fonctionnaires de l'État, les militaires, peuvent retirer leur argent. Avant cette cérémonie de présentation de cette carte numérique, la directrice générale de la CADECO, Juliette Mbambou Mugolé, est allée visiter l'immeuble de la direction générale de la CADECO, qui se trouve en réhabilitation. Satisfaite de l'état d'avancement des travaux, Juliette Mbambou se félicite de cette vision du président de la République qui se met en place peu à peu. Clôture hier à Kinshasa de l'atelier de formation des cadres de l'administration douanière congolaise sur le statut d'opérateur économique. L'Organisation mondiale de la douane classe cette mise à niveau dans la réforme visant la sécurisation du commerce international. Autre détail avec Ricky Nzuziloya Mayawela. Après avoir élaboré un plan d'action de mise en œuvre du statut d'opérateur économique agréé OEA et la conception du manuel des procédures sur l'agrément à ce statut par les entreprises, la RDC se dote maintenant d'une forte équipe, bien formée des cadres de l'administration douanière avec pour mission de gérer le processus d'octroi et le suivi de l'acquisition de ces labels exigés par l'Organisation mondiale des douanes et l'Organisation mondiale du commerce pour la sécurisation du commerce international à l'issue d'une formation conjointe DGDA-OMD clôturée à Kinshasa 5 jours après. Permettez-moi de féliciter les experts de l'Organisation mondiale des douanes pour le travail de titan abattu. Le statut OEA est une démarche volontaire et partenariale d'une entreprise avec l'administration des douanes, qui octroie sous forme d'un certificat en fonction des critères définis. Sur le plan national, la création du statut de l'OEA répond en effet au souci du législateur de ne pas pénaliser le commerce légitime au moment du passage à la douane en offrant aux opérateurs reconnus crédibles et dignes de confiance la possibilité de bénéficier des facilités en matière de formalité et de contrôle douanier. Les personnes formées seront déployées sur les territoires nationaux pour vulgariser ce statut OEA avant une matinée fiscale projetée dans la capitale congolaise. Et pour terminer, parlons des travaux financés par le gouvernement central à travers le FONER, Fonds national d'entretien routier, dans le cadre du programme d'entretien routier 2022, tende vers la fin de la première tranche sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Goma. Les détails dans ce reportage. Sous financement du gouvernement central, à travers le Fonds national d'entretien routier, FONER en sigle, dans le cadre du programme d'entretien routier PR 2022-2023, les travaux évoluent très bien sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Goma. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes sous la supervision des missions de contrôle du Bureau technique de contrôle BTC. En mission d'évaluation de ces travaux, le directeur provincial ad intérim de l'Office des routes Sud-Kivu, l'ingénieur Alain Mugangu, accompagné du chef d'agence du BTC,
CTC Sud Kivu, l'ingénieur Roger Kimpanga et l'ingénieur Yves Kikunda, chef de la 502e brigade d'entretien de l'Office des routes Sud Kivu, la délégation a visité plusieurs travaux en cours entre Katana et Nyabibwe, mais aussi la visite sur deux ouvrages en construction avec le 50% du financement de 2022 à Louchebere au point kilométrique 87+500 et Nyabibwe au point kilométrique 99+500 qui risque de rester inachevé si les 50% ne suivent pas immédiatement car aujourd'hui ces travaux sont presque à 90% d'exécution des 50% de la première tranche. Les usagers remercient le gouvernement central pour le financement de ces travaux mais aussi le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikangala, qui pousse ses administrés pour que la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, vision de voir les territoires et les provinces de la RDC réunies par route s'exécuter. Ces derniers plaident auprès du gouvernement central pour que les FONER envoient les 50% restants du financement pour que ces travaux de construction des ouvrages soient terminés. Fin de journal coordonné par... par Ramadan Poki, Tete Bongunja et la partie technique était assurée par Ndengele Bassosa, Isabelle Beto, Espérance Kajinga et Alien Ngalia. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 19h avec Nadine Kilocho. Très bonne suite de programme sur la RTNC.